Allez, première game sur le patch. Contre Kassa. Pas la meilleure des match-up, mais... Bon, ça va être dur de le sortir, hein, je pense. Non, si j'aurais pas dû jouer ruban de mana pour le coup, pour test. Parce que là, pour tuer les mecs en face, je vais avoir vraiment besoin de mana. Hein. Et je peux pas faire Seraph si j'ai pas ruban, c'est low de ouf. J'aurais bien aimé qu'ils m'attendent pour la ward. Minions have spawned. Mais qu'est-ce que tu veux invade? T'as un Q-spell à Sviego, on va jamais invade, ça pue sa mère. Hein. Endoskeletal, quite peculiar. La wave m'a pas vu, je crois. Envie de perdre de CS. Je pense qu'il gagne dans tous les cas. Gwen n'a pas de flash. Ok. Doran Ring. Plus envie de cover. L'enchaînement de move est catastrophique. Hein. Ils ont First Blood la Kindred, mais elle est devant, genre. Là, oui, il fait pas mal pour moi. Je vais push parce qu'il se fait peut-être invade et je peux l'aider. À mon avis, elle aura Smite Carap. Ouais, je pense qu'elle a pas grid. Elle a pas de flash. C'est méchant, parce que du coup, on peut pas punir Kassa, quoi. Précise. M10 CS, hein, mais... C'est pas fou. Mais la Leona est trop conne, genre.
Un pour un. J'ai pas l'assist, je crois. Ok, j'ai l'assist sur celui-là. J'aurais pu barrière, mais je m'attendais pas à ce qu'il flash in le Kassadin. Mais... si Léona joue correctement le move de base, on tue quand elle arrive et qu'elle met son E. Mais bref, on va pas flame, elle a fait 2 kills, c'est fine. Kassadin a plus de flash, je peux le solo kill. C'est fine. J'ai pas eu l'XP du canon, je crois, malheureusement. On est 6, on va ward parce que le Nautilus va être là direct. Je sais pas quoi dire. Il est mort. Bah, tu kills Kassadin, pourquoi pas, hein, avec un blue buff. Très bon passing jungle, en tout cas, de notre Viego cette game. On est obligé de base. Kassadin et Astrophénom. On va pas faire 50 000 trucs. Je pense qu'il faut aller vers Liandry assez vite. Mais l'état de Kassadin à 7 minutes et la gueule de la game avec le scaling qu'ils ont, c'est vraiment pas très bon signe. Ouais, sushi dessus top, on perd bot. Et mid aussi. Je peux pas vraiment bouger. Hein. Et il me voit bouger sur la ward, il peut venir direct. Là, il me voit peut-être pas passer là. Son safe, ok. Il n'y avait pas de flash, non. Kassadin peut être en counter top. C'est bien sur Tristana. Ok. Not too bad. J'ai Liandry. On est bien au farm. C'est pas trop mal. J'ai pas des bots. Non. Faire composant du coup. J'aurais peut-être dû être full HP là quand même. Il a un smite. Il y a Kassadin avant. Hein.
Il a raté son Q, il est mort. Darius a eu la présence d'esprit de finir les râles. Et le Viego est une merde, hein. En vrai, c'est pas un scoop, on était au courant depuis un moment, mais c'est ok, on peut gagner la game, il faut simplement focus sur ses performances individuelles. Il est mort. Il n'est pas mort. Parce qu'en vrai, il a... Ah, ça fait dégâts bruts ou magique? Ouais, il a bien joué du coup. Il a dash in, Q-spell, un creep. Et il y avait encore Nautilus que je n'ai pas vu sur mon écran. Il était caché par la minimap parce que j'étais comme ça. Et j'ai pas vu le Nautilus. J'ai vu son hook, mais son hook était déjà sur moi. Il y a encore un flash Kassadin, du coup. Je pouvais pas flash, hein. En vrai, son hook m'a touché, il m'a route. Et je suis... Je prends 3 coups de tour parce que j'ai l'aggro de la tour au moment où il touche le hook avec le Q-spell. C'est dommage. On n'a pas donné de shutdown, mais Kassadin a 3 kills. En vrai, c'est dommage sur ce move qu'on tue pas et qu'on meurt. Mais bon, c'est my bad. J'ai pas fait trop attention au Nautilus. J'étais focus sur le... Sur le fait qu'il y avait du monde topside et qu'ils étaient low. J'aimerais bien avoir la... Je suis obligé de replay là. Voilà. Si tu veux que je fasse attention, j'aimerais bien que tu m'aides avec la vision, en fait. Il a pas son mythique. S'il touche un stun, il meurt le Viego ou il se passe quoi? Ça, c'est huge, ça. Il peut TP back en vrai. Kassadin, 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 on l'a vu, putain de merde. C'est des clous, sérieux. Il ping Vel'Koz, Kassadin, le mec a sorti de la base, il est passé sur une ward, je te l'ai spam ping 10 fois. Comment tu peux ping mid-div, genre? Complètement worse, elle a pas de R, il va le tuer. S'il joue correctement. Incroyable. J'ai pas l'assist malheureusement, mais ça passe. Il faut que je fasse ça en vrai. Si on peut avoir tourelle. C'était la première, hein. J'aurais bien aimé la prendre, mais... Il y a Nautilus encore, j'imagine, avant.
On a perdu, je pense. Cassadin est trop fed. Je sais pas, on peut tuer la Kindred là. Il zigzag là dans le vent sans rien faire alors qu'il peut être mid et m'aider sur le Cassa. Le Cassa jump in trois fois sur moi. Un ignite, un air. Si elle vient direct m'aider, parce que je la sauve sur le move. En soi, ce qui pète les couilles, c'est que le Cassadin est feed uniquement parce que le Viego run down tous les moves où Nautilus vient mid et se suicide en boucle. Le premier move où on fait 2 pour 1 avec la Leona qui prend les 2 kills. Ah non, elle meurt sur la tour, je crois. On fait 2 pour 2. C'est fine. Derrière, le problème, c'est que le Nautilus revient. Le Viego rate son stun sur le Nautilus qui fait check. Il s'en va et derrière il meurt sur Cassadin parce qu'il se suicide en allant trop loin. Et là il n'arrête pas de run down, hein. Il a run down bot. Là il a run down sur la Kindred dans la jungle. Je suis mort. Je peux rien faire. Je me fais cesser 4 secondes. Et il n'y a pas grand chose qui va m'aider, hein, honnêtement. À part quelqu'un qui se met devant moi. Mais Cassadin va carrer la game, il est trop fed. On peut pas le contrôler. Il a fait des mercures. Ok. En vrai, le fait qu'il ait pas fait de mercure, ça peut peut-être le faire. Mais je pense qu'il y a trop de menaces à côté pour qu'on puisse le gérer. Kindred est fed. Elle a combien de stacks? Elle a pris le premier carap. Elle a tué le Viego. Elle a 4 stacks seulement. Ah, ça m'énerve cette game, ça m'énerve. C'est tellement simple. J'ai la prio tout leur lit, mais vu que le Viego sait pas comment jouer après avoir tué la Kindred sur son invade, on... Bah on perd la game, hein. Elle va ir à le bot, je vais aller défendre. Elle va pas, Herald? Ça fait chier, on était revenu correctement dans la game avec le move au mid, mais là le Cassada a un 3 items, enfin c'est injouable, il me dive. Pas mieux joué. La Leona a mis l'intégralité de ses spells sur Nautilus. Le Viego a flash in sans aucune raison sur le Nautilus au lieu de turn directement sur lui plutôt que le Cassadin. Ils ont une TP Gwen, on n'a pas de TP sur le Darius qui perd en 1v1 dans tous les cas. Oh, pas vraiment ce que je peux faire de différent là. Après Viego Kraken, hein. Dans tous les cas. Je pense qu'on n'a pas gagné une game avec un Viego qui joue pas le bon mythique. J'ai un shutdown. Hein. Ouais, en vrai, je pense que. Ils ont besoin de gold en face là pour pouvoir jouer un peu la game. C'est compliqué, le Vel'Koz fait tellement. Pose tellement de problèmes. C'est Nash. Hein. On n'a pas de vision. On a le Carap, je crois. Mais bon, on n'a pas de CC. Darius n'est pas là. Ils le font en 15 secondes. Avec. Plus celle qui a le proc Kraken. Ça reste un 50-50, j'imagine.
15 secondes. Useful. Je prends des flashs de Keisa. Tu m'étonnes qu'on perd. Oh, c'est même pas pour être méchant quoi, mais... Le Viego est nul, tu vois. La Leona, c'est la quatrième fois qu'elle met son R sur une cible qui est sous Onya ou qui a déjà flash. Elle a pas Ignite. On a besoin de gagner le front to back et de tuer le mec devant nous. Là, en soi, on a donné le reset à Viego. Je sais pas. On est obligé de Rabadon, hein. Pour avoir de quoi jouer. En termes de dégâts, là. Ah, oh, ça m'énerve cette game. Tu veux le 12? Cassadam dive, hein. Il a 4 items. Level 15. J'ai 2 levels de retard. Il a 3000 HP. On fait un pour un, je pense que c'est fine. On a le shutdown. Je pense pas que je dois ban Kassadin, hein. Je pense juste que la game est honteuse à cause du Viego. Le Kassadin a 10 kills parce que j'ai Nautilus toute la game au mid et que... En vrai, le Viego avec nous, c'est... Ah, c'est pas méchant, tu vois, mais bon, ils invade, ils flippent la game level 1 et ils tuent la Kindred et on se retrouve avec ça, tu vois. Ils vont te dire mid-diff, hein, mais c'est fine. C'est fine. Dans tous les cas, je pense que c'était un gagnable vu que hyper top. Le Kassadin a full kill et on perd bot. Tout le monde perdait. Et au final, leur invade nous a plus mis dans la merde que l'inverse, parce que le mec savait pas quoi faire derrière. Son invade nous a donné lui qui est incapable de jouer un des deux carap, la Kindred qui est au bot et qui tue notre bot lane, et genre tout le monde est behind, tu vois. Alors qu'on a le push et la prio au mid toute la game, qu'on décale dans la jungle pour, mais que... Je sais pas. Il joue jamais Viego, j'imagine. Si. C'est marrant, quand il fait les bons mythiques, il gagne... Je vraiment faire Kraken sur Viego, Kraken ou Shilbo, c'est vraiment que c'est... Mais vraiment cancer l'eau. Je sais pas. Je vais même pas regarder le replay de la game. En vrai, ça sert à rien. La game, on la perd parce qu'il invade.
Derrière, il sait pas quoi faire, il veut défendre son raid. Il se fait chier dessus par la Kindred. La Kindred, elle accepte de lâcher le raid parce que je décale du mid. Elle tue notre botlane, elle prend le carap. Et elle prend le carap à l'opposé parce qu'il a 300 HP et qu'il peut pas le jouer. Au top, il meurt. La botlane est morte dans... Enfin, plus ou moins dans le 2v2, c'est Kindred qui est juste venu récupérer. On a deux sidelanes qui perdent. Et derrière, j'ai Nautilus au mid toute la game. On aurait été bien si sur le retour du Nautilus au mid... Parce que le premier move, on a fait 2 pour 2, donc c'était OK. Et le Kassadin avait plus de flash. J'avais encore le mien, donc on est largement devant. Sur le retour du Nautilus, qui face-check le bush où je suis sans vision, si le Viego joue comme un être humain et qu'on le tue, le Nautilus, la botlane récupère de la tempo, on récupère de la vision, on tuait le Nautilus, j'avais de la pressure parce que j'avais d'investir mon R pour ça, mais le Viego rate son stun, il chase le Nautilus, et il donne un kill de plus à Kassadin plus une stack à Kindred.